Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'avenir de la chaîne. Beaucoup de choses à vous dire, vraiment beaucoup d'améliorations qui va arriver dans le temps, parce que vous avez vu potentiellement qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques jours et c'est tout à fait normal. C'est pas que je me la coulais douce ou que j'étais en vacances, non, j'étais en train de bosser comme malade pour apporter une amélioration conséquente, que ce soit à la chaîne YouTube, mais aussi à d'autres choses que je vais vous parler aujourd'hui, en espérant que tout ça vraiment vous plaise. Mais juste avant de commencer réellement cette vidéo, je tenais à remercier quand même le nouveau membre Fébixien qui a activé la subscription. Je parle bien de Shana Bastiez. Merci à toi, ça fait super plaisir. Ça montre ta confiance que tu as pour la chaîne et ça fait super plaisir. Ça apporte énormément de soutien, donc merci à vous. Si jamais vous voulez devenir Fébixien membre, eh bien ça se passe tout simplement sous cette vidéo ou sur la chaîne, le bouton rejoindre de la vidéo et vous aurez tous les plans de subscription. À vous de faire votre choix. Bon, on va passer directement par la vidéo et vous le voyez derrière moi déjà, on voit que c'est pas du tout le même fond que d'habitude. Et oui, c'est tout à fait normal parce que j'ai déjà voulu vraiment rentrer dans l'amélioration, dans le changement de la chaîne et ça passe par déjà le fond visuel, le design de la chaîne. Eh bien, ça commence par là, le fond qui a changé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce fond. Moi, je le trouve pas mal en soi pour vraiment faire un petit peu clôturer, faire un petit peu la chambre, etc. Je trouve que ça fait une ambiance assez familiale, assez cool. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc dans cette vidéo, on va parler vraiment de tout ce qui va se passer vraiment sur la chaîne YouTube, mais aussi pour les lives, pour Discord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi sur Discord, mais aussi sur les réseaux sociaux, enfin vraiment tout ce qui va avec la chaîne. Vous êtes probablement au courant, mais depuis quelques semaines, je me suis mis à faire des lives, que ça soit sur YouTube ou sur Kick, et je me suis dit pourquoi pas, parce que bien c'est un univers que je ne connais, enfin que je connais, mais que j'avais jamais réalisé sur cette chaîne, et justement, ben, c'est pari réussi, j'ai vraiment, vraiment kiffé, partager vraiment avec cette communauté et tout. Donc voilà, mais il faut savoir que les lives sur YouTube, c'est totalement fini, tout comme sur Kick. Vous allez me dire, oh non, c'est fini les lives. Non, ce n'est pas fini parce que tout simplement, j'ai décidé de passer sur une autre plateforme que vous connaissez tous, bel et bien, c'est bien Twitch. Pourquoi Twitch et pas YouTube ou Kick? Eh bien, tout simplement, déjà parce que c'est le mastodonte pour les streams, donc forcément, je pense que c'est quand même assez clair par rapport à ça. Dans un deuxième temps, pourquoi YouTube? Eh bien, tout simplement parce que YouTube, j'ai vraiment envie de le dédier aux vidéos que je fais. On en reparlera juste après de ce qui est de tout YouTube, mais j'avais pas trop envie de tout mélanger et tout. Et surtout que les lives sur YouTube, c'est pas ce qui est le plus mis en avant, hein, clairement. On était quand même pas mal sur les lives, mais c'est comparé au nombre qu'on a de vues sur la chaîne ou même au nombre d'abonnés, c'est vraiment rien du tout. Donc je me dis vraiment, YouTube c'est pas fait pour les lives, c'est bien pour réunir la communauté, mais pour se faire un peu plus connaître, c'est pas le top du top. Et pourquoi j'arrête déjà Kick? Alors il faut savoir que déjà Kick c'est nouveau, c'est clairement nouveau, et moi je me suis dit c'est pas mal parce qu'il y a vraiment des fonctionnalités que sur Twitch il n'y a plus. En tout cas, il n'y a plus. Il y avait dans le passé, mais il n'y a plus maintenant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? En plus, c'est nouveau. Potentiellement, on pourrait se faire un peu plus connaître. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a vraiment quasiment personne. J'ai attiré vraiment que de la communauté, hein, vraiment de YouTube. Mes abonnés de Kick sont ceux qui viennent de YouTube. Donc voilà, en soi, il y a vraiment personne qui se sont, enfin en tout cas, à part quelques personnes, quelques exceptions, mais sinon c'est que des abonnés de YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, je voulais vraiment axer ces lives sur Twitch parce que Twitch a des fonctionnalités qui sont super bien. Alors oui, je pourrais pas vivre de Twitch forcément parce que le taux de revenus sur Twitch, c'est un petit peu compliqué, même si ça pourrait me générer un complément de revenu, mais bon, ça reste un petit peu de mon côté. Je sais que ça intéresse pas forcément des personnes, mais vous savez que les youtubeurs ou quoi que ce soit doivent se dégager un revenu si vraiment ils veulent continuer, parce que ça demande énormément de temps de faire des lives, de faire des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est énorme le temps qu'on passe à faire des vidéos, mais parce qu'on aime ça, mais au bout d'un moment, quand t'as une famille à nourrir et tout, eh bien c'est normal de penser aux revenus, malgré qu'on fasse ça dans un premier temps pour la passion du jeu vidéo ou quoi que ce soit, hein, n'importe quelle chaîne. Donc voilà, mais vraiment pour ce choix, ça n'a pas été vraiment au niveau financier que j'ai pensé à ça. C'est vraiment genre, je me suis dit Twitch, bah, c'est pour s'amuser. Bon, si ça me dégage un petit complément de revenu, pourquoi pas? En soi, on crache pas dessus, mais c'est surtout vraiment pour kiffer et surtout pour les fonctionnalités de Twitch, parce que eh bien les fonctionnalités, on va pas se le cacher, Twitch est vraiment beaucoup plus avancé que Kick
ou YouTube en termes de streaming et surtout en termes de fonctionnalité. Vraiment, on peut vraiment créer une belle communauté avec les outils de Twitch. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc dès à présent, je vais vous montrer ma chaîne Twitch. Donc mettez bien sur pause. Allez follow la chaîne Twitch. Elle sera dans la description ou sinon vous allez sur Twitch et vous cherchez directement la chaîne Febix qui est juste ici. Vous voyez, j'ai refait clairement tout le design de la chaîne. Donc voilà, vous voyez Febix, vous arrivez sur l'accueil, il n'y a rien, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas eu de live encore. Donc voilà, vous avez la bio et vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ce qui se fait en termes de réseau. J'ai vraiment mis tous les réseaux. Vous avez les objectifs, voilà les objectifs de la chaîne. Pour le moment, c'est d'atteindre les 500 followers sur Twitch. J'espère qu'on y arrivera assez rapidement. Et après, on a un objectif de sub. J'attends de voir un petit peu pour voir comment ça va se passer par rapport à ça. Et puis, j'ai refait entièrement tous les panneaux de la chaîne Twitch. Vous voyez, YouTube, Discord, Twitter, TikTok et Instagram. Et puis aussi, vous aurez des leaderboards. C'est-à-dire que ceux qui participent le plus souvent sur la chaîne, en gros, ça va faire une sorte de classement. Et ça, ça va être plutôt cool pour vous concurrencer en termes de messages, en termes de personnes qui restent le plus longtemps sur la chaîne Twitch. Ça me permettra potentiellement aussi de faire des concours hein, pour ceux qui restent le plus souvent là et tout, les récompenser avec certaines choses qui sont disponibles. Vous avez un leaderboard aussi de subs, de bits et tout, etc. Vous voyez par exemple les subs, vous avez un classement qui est juste ici. Donc là, c'était mon ancien classement. Donc voilà. Vous avez aussi le programme, c'est là où vous allez retrouver tous mes streams et c'est là on va en parler juste maintenant. Voici le programme de toute cette semaine. Alors là, il y a un live qui a été programmé pour le mercredi 12. Alors c'était hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Au final, cette vidéo, elle devait sortir déjà il y a quelques jours, voire hier. Mais je me suis dit, il n'y a pas tout fini, je voulais vraiment tout finir à temps pour tout simplement vous sortir ça avec toute la qualité possible sur toutes les fonctionnalités qui arrivent sur la chaîne. Donc au final, j'ai décalé, mais je ne peux pas retirer en fait le live. Donc voilà, premier live, c'est maintenant que je vous annonce, le premier live se passera ce soir à 20h30 sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas vraiment, follow la chaîne Twitch, je serai vraiment reconnaissant pour ceux qui le font et pour ceux aussi qui viendront sur le live de Twitch à 20h30 pour jouer à Zelda Skyward Sword que vous voyez pas ici. Alors je vais me décaler, voilà, juste ici, Zelda Skyward Sword, on jouera ce soir. Et samedi aussi, on aura une soirée Among Us parce que j'ai déjà un petit peu testé tout ça sur le Discord, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc voilà, pour ce qui est du programme, vous pourrez tout retrouver ici, mais je vais vous parler aussi des horaires et des jours de stream que je vais faire toutes les semaines. Eh bien, vous allez pouvoir me retrouver sur Twitch tous les mardis, jeudi et samedi à 20h30 pour tout simplement jouer ensemble ou même découvrir d'autres jeux. Voilà, histoire de bien kiffer sur notre chaîne Twitch. Dans l'onglet vidéo, vous allez pouvoir retrouver tout simplement toutes les rediffusions de live, mais aussi les clips, parce que oui, vous pouvez faire des clips sur Twitch, et ça, c'est une fonctionnalité qui m'a fait un petit peu pencher la balance. Et vous avez aussi la fonctionnalité chat, c'est pour tout simplement retrouver le live, et vous voyez, j'ai vraiment refait tout le design de la chaîne, vraiment pour qu'il colle sur l'univers vraiment de cette chaîne, hein, tout simplement, et vous aurez tout simplement le live à votre droite, avec les meilleurs subs, etc. Si vous descendez, vous aurez vraiment tout un aperçu de toute la chaîne, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est vraiment la plus grosse, vraiment la plus grosse nouveauté de cette chaîne. J'y ai bossé pendant plusieurs jours en espérant que cette grosse news vous fasse plaisir parce que j'y ai passé énormément de temps et j'ai hâte vraiment de vous retrouver en stream déjà à partir de ce soir 20h30. Vraiment, mettez la notification. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va parler des nouveautés de la chaîne YouTube. Oui, je pense que c'est clairement un truc que vous attendez énormément. Et bien tout simplement, vous le savez, depuis quelques mois, je fais des vidéos sur Zelda Tears of the Kingdom. Mais ceux qui m'ont découvert avant Zelda Tears of the Kingdom, vous savez très bien que j'avais fait de l'actualité sur la Nintendo Switch. Et bien ça va revenir en force, mais aussi, je ne vais pas oublier Zelda Tears of the Kingdom, vous inquiétez pas, je vais vous en parler tout de suite. Ces derniers temps, ça a été un petit peu flou sur les sorties de vidéos et tout, parce que, eh bien, je pensais au renouveau de la chaîne, le Febix Switch
2.0. Et maintenant, je peux vous dire que c'est acté. Il y aura 2 vidéos par jour. Vous allez pouvoir retrouver la toute première vidéo à 10h du matin. Voilà, une petite vidéo 10h du matin. Ce sera une Actu Switch. Vous allez pouvoir retrouver tout simplement à 10h tous les jours votre petite Actu Switch où on va parler d'une actualité sur Nintendo ou la Nintendo Switch en général. Donc voilà, dans un premier temps, à 10h, vous allez pouvoir retrouver la première vidéo sur l'Actu Switch, mais deuxième vidéo, vous allez pouvoir la retrouver à partir de 16h. Chaque jour, vous allez pouvoir retrouver soit eh bien, une deuxième news. C'est possible qu'il y ait plusieurs news hein, vraiment dans la journée. Donc, je ne m'exclus pas de faire une deuxième news dans la journée. Mais vous allez pouvoir aussi retrouver du gameplay, que ce soit sur Zelda Tears of the Kingdom ou que ce soit sur un autre jeu pour découvrir d'autres jeux ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des découvertes de nouveaux produits. Je vous dis ça pas pour rien parce qu'il y a déjà des produits que je vais vous présenter où vous allez voir que c'est oufissime, vous allez kiffer vraiment. Les vidéos vont arriver ce week-end, donc voilà, vraiment, restez branchés. Elles arriveront donc à 16h, vous l'aurez bien compris. Et pour les actualités, ça sera à 10h et potentiellement des fois à 16h aussi. Donc voilà, je voulais vraiment mettre le point sur les i et vraiment vous donner des heures précises où vous allez pouvoir retrouver les vidéos. À 10h, ça sera toujours, mais toujours des Actu Switch parce que bien, il y a de l'actualité un petit peu de partout et surtout que j'ai beaucoup, beaucoup d'actualités en ce moment à vous partager. Donc voilà. Et petit point où je vais revenir, les lives YouTube. C'est terminé, mais pas tant que ça, parce que vous allez pouvoir retrouver des lives YouTube de temps en temps quand il y aura des Nintendo Directs. Je préfère vraiment les faire sur YouTube, comme ça, ça reste de l'actualité de la Nintendo Switch, mais aussi on a la communauté qui suit les Actu Switch au quotidien. Et du coup, voilà, pour moi, ça me paraît plus logique de les faire sur YouTube. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça et ça ne bougera pas. Je vais parler maintenant de TikTok. Eh bien, vous le savez probablement, je me suis lancé dans TikTok et oui, vous allez pouvoir me retrouver directement sur TikTok tous les jours, je vous dis bien tous les jours à 18h, soyez au rendez-vous, 18h, eh bien c'est parfait, je vous ferai un récapitulatif de tous les plannings vraiment à la fin de la vidéo, et voilà, à partir de 18h, vous allez pouvoir retrouver à chaque fois des nouveaux TikTok, que ce soit des clips de mes lives ou même de l'actualité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voudrez voir le plus vraiment sur TikTok, et puis j'ai vraiment envie de développer vraiment ce compte, on a actuellement 551 sur mon compte TikTok, voilà, c'est pas non plus énorme, c'est pour ça que j'ai envie de le développer un maximum, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, je vais parler d'un point qui m'intéresse énormément, c'est Discord. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Discord, j'essaye de le développer un maximum pour que vous puissiez retrouver un maximum de choses vraiment dans l'univers de Nintendo sur le Discord, que vous allez pouvoir jouer avec n'importe qui. Et vous allez voir, vous allez pouvoir retrouver déjà le Discord dans la description. Je vous invite vraiment à le rejoindre parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver et je vais vous en parler tout de suite directement sur le Discord. Vous le voyez, c'est Nintendo World, et dès que vous arrivez, déjà vous allez arriver à peu près par ici et vous allez pouvoir parler avec des personnes en général. Vous aurez aussi des jeux ou quoi que ce soit. C'était déjà disponible dans le passé, mais il y a eu des nouveautés par rapport à ce Discord. Déjà, un petit point de nouveauté, c'est tout simplement toutes les actualités de la Nintendo Switch. Vous le voyez, si vous arrivez à ce niveau là, à ce salon ici, Actu Nintendo Switch, vous allez pouvoir retrouver toutes les actualités de la Nintendo Switch. Donc, je vous invite vraiment à le checker sur le Discord. Et puis si jamais vous voulez recevoir toutes les notifications de toutes les actualités de la Nintendo Switch, je vais vous montrer. Déjà, dans un premier temps, si vous rejoignez le Discord, il va vous proposer toutes les notifications que vous voulez avoir sur le Discord. Vous avez juste à sélectionner le grade News Nintendo et vous allez recevoir tout simplement toutes les notifications sur l'actualité de la Nintendo Switch. Mais si jamais vous êtes déjà sur le Discord et que vous n'avez toujours pas sélectionné ce rôle, eh bien vous avez tout simplement juste à aller à salon et rôle qui se trouve vraiment tout en haut et vous allez pouvoir retrouver tous les rôles qui sont juste ici. Donc dans un premier temps aussi, vous allez pouvoir mettre tous vos jeux en termes de grade, donc c'est à dire par exemple si vous avez Mario Kart 8, et eh bien vous allez pouvoir cliquer dessus et sélectionner, comme ça quand quelqu'un voudra jouer à Mario Kart 8, il aura juste à mentionner Mario Kart 8 et vous allez être notifié pour tout simplement jouer avec cette personne. Mais il n'y a pas que Mario Kart 8, vous avez plein d'autres grade
que vous pouvez retrouver ici et vous pourrez même discuter avec la communauté par rapport à ces jeux. Donc voilà, là c'était pour vraiment sélectionner les jeux que vous avez. C'est aussi disponible en application de téléphone pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger l'application et à rejoindre le Discord qui est dans la description. Et ce qui est des news, eh bien vous allez pouvoir tout simplement la sélectionner ici. Vous sélectionnez sur le bouton, là je l'ai enlevé, mais si je le remets, voilà, vous voyez News Nintendo et je serai notifié à chaque fois que une news apparaît. Et il faut savoir que c'est totalement automatique, donc dès qu'il y a news, vous aurez la notification. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est automatiquement, c'est un bot sur Discord. Donc voilà, c'est une des grosses nouveautés qui va arriver sur Discord, mais pas que, parce qu'il y aura aussi des alertes bons plans. Donc déjà, si vous voulez être notifié pour les bons plans, que ça soit pour les accessoires de Nintendo Switch, mais aussi les collectors ou même des bons plans sur les jeux vidéo, eh bien je vous invite à vraiment sélectionner tout simplement ce grade alerte bon plan, comme ça vous allez pouvoir faire des bons plans. Alors bien évidemment, je tiens à vous le préciser, ça sera des liens affiliés, c'est tout simplement pour un petit peu rémunérer le temps que je passe, parce que là ça sera moi qui ferai les recherches pour vous trouver le meilleur prix pour chaque jeu. Donc moi je toucherai une petite commission pour tout ça, donc merci à tous ceux qui utiliseront les liens du Discord, mais vous payerez pas plus cher votre commande, vous inquiétez pas. C'est histoire un petit peu de soutenir la chaîne et de remercier pour le travail que je fournis sur le Discord. Donc voilà, alerte bon plan, c'est juste ici et vous allez pouvoir retrouver aussi le salon alerte bon plan qui se trouve juste là et vous serez notifié. Alors pour le moment, c'est notifié en everyone parce que ça n'a pas été changé, mais dans les futurs bons plans qui vont arriver à partir d'aujourd'hui, eh bien vous serez notifié par alerte bon plan. Donc n'hésitez pas à prendre le rôle et puis ça sera affiché exactement ici dans ce salon là. Donc n'hésitez pas à un petit peu checker ce qui vous intéresse aussi, ça peut être pas mal. Bon, c'est bien beau, mais aussi le Discord, c'est pas que de l'actualité, c'est pas que des bons plans, c'est pas que de la discussion, mais c'est aussi des sessions de jeu. Et oui, le staff et moi avons pris la décision que tout simplement chaque semaine et même deux fois par semaine, vous allez pouvoir participer à deux sessions de jeu qu'on va tout simplement organiser. Ce sera tous les mercredis et vendredis sur le Discord à partir de 21h. Et en gros, on fera une grosse session de jeu avec les abonnés et tout. Ça va être super cool. Que ce soit pour du Among Us, que ce soit pour du Mario Kart 8, etc., etc. Vraiment, on va s'éclater. Tout ça sera notifié, bien évidemment, dans les annonces qui se trouveront juste ici. Et comme vous le voyez ici, il y a 3 jours, on a testé les sessions de jeu avec Among Us, c'était excellent, on s'est vraiment amusé. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment rejoindre le Discord si ça vous intéresse vraiment de participer à des sessions de jeu ou quoi que ce soit. Voilà, je pense que vous allez vraiment vous régaler avec le Discord. Donc voilà, vraiment moi, ce que je voulais vraiment faire sur ce Discord, c'était tout simplement de regrouper une communauté déjà basée sur la Nintendo Switch et Nintendo en général, des gens qui ont vraiment la passion de cette console, mais vraiment pas que. J'avais envie de créer une communauté qui joue ensemble, mais aussi que je profite avec vous en jouant avec vous aussi par le biais de sessions de jeu, mais aussi sur le Discord pour être notifié de toutes les vidéos, tous les lives, tous les TikTok que je poste, mais aussi mettre des alertes bon plan pour vous régaler et toute l'actualité de la Nintendo Switch en un clic un peu avant que je l'aborde en vidéo un peu plus en détail. Petit point avant de passer à la suite, il y aura des recrutements de modérateurs, que ce soit pour Discord, pour YouTube et pour Twitch, parce que forcément, j'en ai besoin et je sais que beaucoup ont envie d'être modérateur. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse vraiment, n'hésitez pas à rejoindre Discord. C'est là où je ferai l'annonce et c'est là où vous allez pouvoir faire vos candidatures. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse de devenir modérateur de soit Discord, soit YouTube ou soit Twitch, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Allez, on arrive à la fin et tout simplement, je vais vous parler de Twitter et Instagram. Oui, c'est les réseaux sociaux en dehors de tout ce qui est live, TikTok ou quoi que ce soit. C'est les deux réseaux sociaux que je vais utiliser le plus en dehors de tout ça pour discuter avec vous, pour débattre sur des points, par exemple sur Twitter, par exemple. Et je vais vous montrer vraiment mon Twitter. N'hésitez pas à le rejoindre, à me follow. Vous voyez que j'ai pas beaucoup d'abonnés parce qu'il vient d'être créé. Je vous en avais déjà parlé, mais voilà. N'hésitez pas à vraiment me follow sur ce TikTok. Il sera dans la description. Vraiment, merci pour ceux qui viendront me suivre. Voilà, je poste assez régulièrement des nouvelles choses. Donc voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, Twitter et Instagram, ça sera alimenté quotidiennement. Vous allez pouvoir vraiment me retrouver quotidiennement sur Twitter et Instagram. Ce qui est de mon Instagram, il se trouve juste ici et même dans la
description. Mon compte Instagram n'a pas été alimenté depuis quelques temps. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, par le biais de story ou quoi que ce soit, vraiment avoir une approche un peu différente, par exemple, que de Twitter. Mais voilà, moi je pense que ça peut être plutôt sympa. Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, Discord, tout ça, c'est dans la description. Donc n'hésitez pas à vraiment me follow un peu de partout et ça me ferait super plaisir. Merci à tous ceux qui feront ça. Donc voilà pour toutes les améliorations, toutes les nouveautés autour de la chaîne YouTube, en espérant que ça vous a plu et surtout que ce n'est pas fini parce qu'il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver dans le futur, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Discord ou même les réseaux sociaux. Je pense par exemple à de nouveaux designs qui vont arriver très très rapidement sur la chaîne, que ce soit pour les bannières, pour les émotes, enfin, il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui prennent une souscription pour m'aider et me soutenir un maximum sur la chaîne. Un gros big up à vous. Et pour ceux qui pensaient que c'était fini, que Febix ne faisait plus de vidéos, c'était fini pour sa chaîne YouTube, non, au contraire, c'est un level up et surtout j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, j'attends vos commentaires par rapport à toutes ces nouveautés. Qu'est-ce que vous voyez potentiellement? N'hésitez pas à me donner des idées pour améliorer telle chose, voilà, vraiment, je prends en compte tous les commentaires. Et si vraiment c'est faisable et que c'est intéressant, je le ferai. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve ce soir en stream. N'hésitez pas à rejoindre vraiment le stream sur Twitch à 20h30. Je vous attends avec grand plaisir et ça va être un truc de fou. Allez, sur ce, ciao ciao, c'était Febix, portez-vous bien et surtout gardez le sourire, c'est le mot d'ordre de la chaîne.